foolish, maybe I'm blind. Hello à tous, aujourd'hui je suis hyper contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai décidé de parler des soldes. Oui, parce que les soldes c'est waouh, génial, il y a des soldes, ça coûte moins cher. Franchement, de une, ça dépend des magasins, hein, parce que des fois 20% sur 20€, hein, voilà. Autant dire que ça sert un peu à rien cette promotion. Bref, on a quand même des qualités puisqu'on peut avoir des trucs moins chers, mais on a aussi beaucoup, beaucoup de défauts pendant les soldes. Allez, c'est parti pour le top 5 des défauts pendant les soldes. Premier défaut, qui est je pense celui qui m'énerve le plus. Oui, parce qu'on en parle ou pas de la queue dans les caisses. Enfin, ok, dans les caisses. Bon, je sais pas. Bref, la queue pour payer nos articles. Hein, on en parle ou pas? Et puis encore, il y aurait la queue que aux caisses. Mais non! T'as aussi la queue pour essayer dans les cabines d'essayage. Bah oui, bien sûr. C'est le top. Le deuxième top. Autant dire, vu qu'il y avait trop la queue aux cabines d'essayage, t'as pas essayé, ok? Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas échanger. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu dois réattendre. Et il suffit juste que t'aies repris la mauvaise taille. Bah alors là, on est reparti, quoi. Hein. C'est la mort. Troisième chose. On en parle ou pas du monde, c'est-à-dire c'est à peine si tu peux regarder qu'est-ce qu'il y a comme vêtements. En fait, comment tu fais tes soldes? C'est impossible. Franchement, je déteste les soldes. Il y a trop de monde, tu vois rien. Non, merci quoi. Quatrième chose, on en parle ou pas des vêtements, comment ils sont? C'est très clairement le bazar dans les magasins. C'est-à-dire que tu as tous les vêtements qui sont mis n'importe comment, c'est le gros bordel. Et c'est hyper compliqué de trouver ton vêtement. Enfin, genre, tu cherches ta taille, c'est impossible de la trouver. Il y a des vêtements par terre, à gauche, à droite, enfin bref, c'est le bazar. Et le top 5, et toi, la petite maligne qui commande sur internet, ta commande un an après, il n'y est toujours pas. Hein, autant le dire. Les commandes, elles mettent je sais pas combien de temps avant d'arriver. Donc t'es bien contente, peut-être t'as commandé des vêtements pour l'été, ils arrivent en hiver. Topissime. Oh, quelle belle vie les soldes. Je kiffe ça. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme vous voyez, les soldes, ça a peut-être des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Bon, faut quand même retenir que c'est quand même cool les soldes parce qu'on peut avoir des choses moins chères. Mais n'oubliez pas qu'il y a des petits inconvénients qui, moi personnellement, voilà, un petit peu marre de ces petits trucs. Faudrait y remédier. Et voilà, moi je fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et ciao !